toujours au bord ou dans l'eau, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, le dessement est très bien adapté à la vie aquatique. Pattes palmées, clapets de fermeture des narines et des oreilles, poils sensoriels sur la longue trompe mobile et sur la queue. Il peut se diriger et capturer ses proies en toute eau, de jour comme de nuit. Cette fameuse trompe est toujours en mouvement, à l'air libre pour sentir les odeurs, dans l'eau pour identifier et rechercher les proies. Les insectes invertébrés et aquatiques qu'il capture en fouissant le fond de l'eau forment l'essentiel de sa nourriture. Il ne dédaigne pas, à l'occasion, l'alevin de la truite qu'il rattrape à la vitesse de l'éclair. Par contre, pour déguster son repas, il sort à la surface. Bien des choses restent à découvrir à propos de cet animal. Par exemple, comment subsiste-t-il au cœur de l'hiver, en haute altitude? À quoi sert-il? Qui le voit? Bien peu de gens. Et pourtant il est là, aux Pyrénées, unique, original, expression de la richesse et de la diversité de la vie.